Bonjour, nous allons voir ici quelques petites précisions concernant cette mission 4 de votre cursus de programmation. Pour ceci, vous aurez besoin d'un objet assez gros, du style une brique de lait, un outil de mesure qui peut mesurer assez long, exemple un double mètre, un rapporteur de ce type-là ou vraiment un rapporteur de type scolaire, et bien sûr votre robot, qu'il soit de type EV3 ou qu'il soit de type NXT. Premièrement, si vous avez réalisé la mission 3 précédente, vous savez comment mesurer directement avec le robot pour lire la valeur qu'il mesure sur celui-ci. Il faut, pour si vous êtes un NXT tout simple, il faut simplement donc brancher votre capteur à ultrasons sur le port numéro 4 de votre robot et d'activer la vue, n'est-ce pas, pour avoir la lecture des différentes valeurs sur votre robot comme nous l'avons fait pour la mission numéro 3. Donc View, et là je vais prendre Ultrasonic Sensor et je vais prendre en centimètres. Je prends le port numéro 4 et je vois qu'il mesure déjà. Votre première mission consistera donc à mettre des objets à différentes distances de votre capteur et de mesurer cette précision. Attention toutefois, il faut bien mesurer la distance qui sépare du capteur jusqu'à l'objet. Et non pas du robot, par exemple, parce que dans mon cas, la distance serait trop longue. Il faut vraiment prendre la distance qu'il y a du capteur à l'objet. Exemple, ici, je mesure 23,5 cm et il me met ici 24. Donc, ce sera à vous de reporter ces différents résultats dans votre cahier de bord. Il en va de même pour le EV3. Je prends donc la vue Port View, je prends ici les distances et je demande en centimètres pour qu'il me calcule. Je le pose par exemple ici et il faut de nouveau mesurer la distance qu'il y a entre le capteur et l'objet. Ici j'ai 29,5 cm et il marque 30,4. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, je vais juste changer de plan et me mettre en dessus pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce qui se passe par la suite. Pour ceci, pour la suite de la mission, j'ai donc besoin du rapporteur et du robot. Attention, le zéro du rapporteur doit se situer exactement à l'aplomb ici du capteur. Donc je dois le mettre pour qu'il soit à l'aplomb le plus précisément possible. Alors, l'avantage qu'il y a de ce grand rapporteur, c'est que il est assez précis. Normalement, si vous êtes correctement, votre capteur doit marquer ici un très grand nombre. Il faut bien vérifier que votre objet soit détecté par votre capteur. C'est le cas chez moi. Et maintenant, il va falloir approcher votre objet sur une ligne et de voir à quel moment le capteur va détecter votre objet. Top. Pour moi, c'est ici. Et on peut voir à combien de degrés cela correspond par rapport au capteur. Et à partir de quel moment cet œil-là voit aussi. Et donc, il faut repérer ceci. Et après, il faut essayer avec une deuxième distance plus loin, avec une troisième distance encore plus loin, pour déterminer cet angle de manière la plus précise possible. C'est donc là la deuxième étape de votre travail. La troisième étape va constituer simplement à trouver quelle est la largeur minimum que va pouvoir détecter votre robot pour détecter une distance. Par exemple, est-ce qu'une largeur de main, il la détecte? Oui.
Est-ce que la largeur de mon double mètre, il va la détecter? Oui, non, etc. Et trouver quelle est la largeur minimum que doit avoir un objet pour qu'il soit détecté par le robot. Donc, première chose, vérifier les distances. La deuxième chose, mesurer l'angle de captage. Troisième chose, mesurer la largeur minimum que doit avoir un objet pour qu'il soit détecté par votre robot. Bonne chance de cette mission et on se retrouve après cette mission pour trouver le premier défi lié à celle-ci.